football et Barcelone qui est sacré champion du monde des clubs. Les Catalans ont ajouté une nouvelle ligne à leur palmarès en battant aujourd'hui les Argentins de River Plate 3-0. C'était la finale. Au Japon, Messi et Suarez ont permis à Barcelone eh bien, de devenir un peu plus l'équipe de légende qu'est le Barça. Jonathan Serrero. Le FC Barcelone sur le toit du monde, le club catalan a arraché son troisième titre mondial après ceux acquis en 2009 et 2011. Les coéquipiers d'Andrés Iniesta n'ont fait qu'une bouchée du vainqueur argentin de la Copa Libertadores River Plate. Victoire 3-0 avec les retours de Neymar et de Lionel Messi. La formation de Buenos Aires n'a pas existé. On joue la 34e minute, Lionel Messi lance Dani Alves. Le latéral brésilien centre en première intention pour son pote Neymar. Remise de la tête de l'ex-joueur de Santos. Un pas de tango du génie de Rosario pour éliminer son défenseur. Frappe du gauche, but 1-0. Marcelo Gallardo, ancien joueur de l'AS Monaco, fait déjà la grimace. Sauf que son compatriote est en relation constante avec le divin à chacune de ses apparitions. Au sortir des vestiaires, les hommes de Luis Enrique creusent l'écart. Sergi Busquets lance parfaitement Luis Suarez en profondeur. El Pistolero frappe encore et ajuste Barovero. 2-0 et 3-0. Sur ce centre, téléguidé signé Neymar, l'attaquant uruguayen place une tête hors de portée du gardien argentin. L'ex-joueur de Liverpool inscrit son 5e but du tournoi. Il rejoint ainsi l'ancien lyonnais César Delgado parmi les meilleurs scoreurs de l'histoire de cette compétition. Cette tête de Lucas Alario ne vient même pas sauver l'honneur d'un club ancien vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1986. Le Barça lui remporte son 5e titre d'une année 2015 quasi parfaite. Voilà, et puis ça bouge sur les bancs de touche en Europe puisque Carlo Ancelotti, l'italien, sera l'entraîneur du Bayern la saison prochaine, ce qui veut dire que Guardiola s'en va et vraisemblablement en Angleterre, Manchester ou Chelsea.